peau d'un entraîneur. Hein. Aujourd'hui, vous devez choisir votre 11 titulaire, des joueurs en activité. Vous direz qui, moi, de ton équipe, 11 titulaire de rêve. Alors, mon gardien, je mettrai De Gea. À droite, Carvajal. À Ramos, Varane. La défense du Real et Marcelo à gauche. Varane, un petit clin d'œil à la formation d'Ansoise. Ouais, c'est pas vraiment son s'il est passé quand ils ont gagné la Coupe du Monde. Il est passé vous voir. Il est passé au vestiaire, ouais. Mais au milieu, je dirais Modric et N'Golo Kanté. À droite, je mets Messi. À gauche, Hazard. Et en pointe, Cristiano avec Benzema un peu en soutien en effet. Sacrée équipe. Mehdi, tu dirais quoi? Moi, je dirais gardien pareil, De Gea. À droite, Cancelo. J'aime beaucoup. Dans l'axe, je mettrais Varane avec Chiellini. Je pense que ça ferait une bonne charnière. À gauche, Marcelo. Après, moi, je jouerai avec une sentinelle, N'Golo Kanté. Et 2-8, Pogba et Modric, l'actuel Ballon d'Or. À gauche, je mettrai Hazard. Droite, Messi et Cristiano en pointe. Et je pense que là, je bats l'équipe à Mourad. C'est des équipes quasi similaires, à 2-3 détails près. Non, les gars, en fait, c'était vraiment un plaisir de vous avoir interviewé. Merci à Mehdi, moi, de vraiment m'avoir. Plaisir partagé, merci à toi, Samir. Accordé du temps. Et moi, il me reste plus qu'à dire à tout le monde merci de nous suivre sur la chaîne Samir Jabali TV. N'hésitez pas à vous abonner, à vraiment commenter, de dire ce qui a été ou ce qui a moins été, si des suggestions, c'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas à me suivre, soit encore une fois sur la chaîne YouTube Samir Jabali TV, ou alors sur les réseaux sociaux pour suivre l'actualité et mes futures interviews Samir Jabali, que ce soit sur ma page Facebook, Instagram ou encore Twitter. J'espère vraiment, vraiment réaliser de nombreuses interviews comme celle d'aujourd'hui et qu'elle vous plaît surtout. Je vous remercie et surtout à très vite. Allez, au revoir.